Il me demandait qu'il était un peu en relation. Je voulais pas le braquer, je lui ai dit 17 cm. Je pensais pas qu'il allait le prendre mal. En fait, mec, c'était qui la fille à qui tu parlais hier soir? Attends, mais tu parles de qui? Ah, je vois, ouais. J'en sais rien, on n'a pas vraiment le temps de se présenter. Tu l'as rencontré comment? Bah vas-y, raconte. Bah... J'étais ici en train de suivre une discussion quand ça commençait à parler de... Au chocolat, chocolatine... Ah ouais, ça y est, je me souviens. Enfin bon, c'était pas intéressant. Du coup, je suis parti. Quand arrivé dans le couloir, je croise cette fille qui m'arrête et qui me dit... Hé, hey, sympa tes lunettes. Oui, parce qu'à ce moment-là, j'avais mes lunettes fluo, un peu fantasy, enfin bon, bref. Attends, tu parles de la blonde, là, qui avait un poule. Mais elle était habillée comment? Je crois qu'elle avait un haut jaune avec un jean bleu, je dirais. Ah, c'est Marie. Mais Marie, elle est pas blonde, elle est châtain. C'est pareil. Bah non, c'est pas pareil. Mais si, c'est pareil. Bah non. Ça a juste rien à voir. Ce que tu viens de dire, c'est que je t'avais dit châtain, t'aurais su qui c'était. C'est marrant comme certains détails vous échappent. Oh, elle avait un boule, mon gars. Un boule. Bon, et alors? Donc elle prend mes lunettes et elle me dit... Elles sont dégueulasses tes lunettes, on voit rien à travers. Du coup, je lui dis, elles sont pas faites pour voir, mais pour être vues. Et là, elle enchaîne. Pour cacher que t'as des yeux défoncés. J'ai pas super bien dormi l'année dernière, je suis un peu fatigué. Mais dis-moi, tu viens d'où? Comment t'es arrivé là? Et là, elle me dit... Je suis infiltrée, pour les stupes. Et on m'a dit que c'était un repère. Du coup, je lui fais... Ah bon? Et t'as dit la crie? Non, je pense qu'elle disait ça pour déconner. Et j'ai entendu dire qu'elle travaillait vraiment dans la police. Ah bon? Enfin, du coup, elle me fait... Si jamais tu vois quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. En attendant, je vais fouiller la salle des bains. C'est à ce moment-là que Tim est sorti des toilettes et qui me fait... Eh hey, mec! Tu sais, en me faisant un check de la main. Du coup, je lui dis... Tu t'es lavé les mains? Et il me fait... Quoi? Ah oh, mais t'es dégueulasse! Non, mais j'ai rien fait! Et t'as fait quoi? Tu l'as attendu? Mais c'est pas à ce moment-là que t'es venu me voir? Si, même que t'arrêtais pas de me demander... Eh hey, tu la connais, elle? C'est qui? Eh... Hey. Ça va, toi? T'as pas l'air bien. Bah tu déconnes ou quoi? J'étais complètement sobre. C'est toi qui n'es pas droit et c'est moi qui suis venu te demander si ça allait. Ça va? T'as pas l'air bien. Même qu'après, tu m'as vomi dessus. Sérieux? Je suis désolée. C'est pas grave. Mais bon, j'ai dû nettoyer et quand je suis revenu, elle est en train de sortir avec son mec. C'est là que je me suis dit que c'était mort. C'est qui son mec? Je sais pas, c'était celui qui parlait de chocolatine tout à l'heure. Thomas, c'est pas son mec, c'est son frère. Ah ouais, je me souviens. Il était bien rond quand il est rentré. Ah. Allez, toi! Ah, oh, excuse-moi! Allez! Mais bon, de toute façon, elle m'a rien laissé, puis je la connais même pas. C'est con? Tout ça pour dire que tu t'es fait piquer tes lunettes? Ah ouais, c'est vrai. Bah il te reste plus qu'à appeler la police.